théâtre, qu'il y ait des extrêmes. Et donc, comment est-ce qu'on allait permettre aux acteurs de jouer sans être contraints par le lieu ou les micros? Donc, on s'est dit qu'il fallait que ce soit perché. Donc, on a inventé ce système pour que les acteurs puissent venir jouer sans que ce soit nous qui leur imposions quoi que ce soit. Et puis, sur la musique aussi, puisqu'on a essayé, on a fait rentrer des instruments qui ne rentraient pas tellement dans les autres émissions. Donc aussi, on s'est mis au service de ça. Et puis après, comme on était vraiment dans une liberté totale, on s'est dit, bah, pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de raconter la danse aussi? Donc comment est-ce qu'on va faire, comment est-ce qu'on va restituer les corps, le souffle? Vraiment, c'était des questions comme ça. Et puis on essayait aussi de raconter le lieu, puisqu'on s'est dit, on a un petit studio, donc il faut que cette intimité et ce cadeau que nous font les artistes en venant, parfois avec des structures qui ils modifiaient puisqu'il fallait qu'ils rentrent dans le studio, donc ils ne pouvaient pas venir avec des choses énormes, et ben, il fallait que cette intimité soit rendue aussi. Donc elle soit, qu'on entende les instruments, qu'on entende ce récit. Parfois, c'était très ténu, donc il fallait qu'on ait aussi ça, donc qu'on ait une intensité et aussi que dans le petit et dans le grand, on rende ça. Et donc, en fait, on est parti vraiment dans une narration de l'instrument, de l'acteur, du souffle, des doigts sur les instruments quand on a des instruments à cordes. On s'est vraiment amusé avec ça et c'était formidable de pouvoir le faire, d'avoir des partenaires comme ça à qui on dirait. Vous avez des retours hein. Ce qui était super, c'est que comme on a inventé un lieu qui n'était que le nôtre, on l'a même inventé au début de l'émission, donc on a inventé un bar qui n'existait pas, mais qui du coup existait, puisque l'idée c'était que ça s'appelait Ouvert la nuit, donc on restitue cette ouverture, donc que les gens puissent venir dans l'émission quand ils sortaient de spectacle ou avant qu'ils y aillent, et donc du coup on avait ce bar, mais...